da força, da coragem, toda sua energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser heróis. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live reaction sur l'opening 6 de Nanatsu no Taizai, donc The Seven Deadly Sins, ou les 7 péchés capitaux en français. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'opening 6. Je sais, normalement j'aurais dû faire ça avant l'opening 6 de My Hero Academia, mais je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai pas eu le temps de voir Nanatsu, j'avais juste eu le temps pour voir My Hero et vous faire la review. Donc voilà, là j'ai eu le temps de regarder un petit peu les deux épisodes. D'ailleurs vous allez peut-être avoir les reviews, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les reviews des deux premiers épisodes de Nanatsu no Taizai dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On va aller se mater ça, on va aller regarder cet opening 6 de Nanatsu. Puis n'hésitez pas à me dire si vous, il vous plaît dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça permet au référencement de la chaîne YouTube et à nous faire monter de plus en plus dans la Mirai Family. Donc n'hésitez pas, le max de pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Si on peut atteindre au moins les 20 Mirai pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager également et allez voir mes liens Utip et MyTip. Ils sont dans la description, les liens. N'hésitez pas si vous voulez m'aider financièrement gratuitement. Voilà, bref, je vais pas tergiverser. J'ai vraiment hâte de voir cet opening. Et c'est parti, let's go. Ok. Ok, direct on voit Oak, ça fait plaisir. Oh, les 7 péchés capitaux. Stylé là, comme ça. Ah, elle est quand même ouf celle-là. Meliodas, sans moi. Diane, bien évidemment. Avec King. Ok, il nous remonte les 7 péchés capitaux. Gowser. Ban avec Elaine. Bien évidemment, Mister Escanor, l'homme musclé. Et Merlin. Et Elisabetto. Ok, les 7 commandements, les 10 commandements. Les 7 commandements, on n'a rien à voir. Ah, la musique, franchement, t'as un boost, hein, j'aime beaucoup. Putain, wow, le rythme, il est boosté, putain, pour cet opening. Ok, Elisabeth et Miliodas, avec les autres 7 péchés capitaux. Ah, stylé cette forme. J'aime bien. Enfin, cette fonction. Oh, toutes leurs armes secrètes. C'est stylé comme ça, le fait de tourner comme ça. J'aime beaucoup. Ok, là, on a les 7 péchés capitaux. Ok. Ok, franchement, très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cet opening? Bah, moi, je le trouve très, très bon, putain. Cet opening, je le kiffe. Honnêtement, il est très bon. Il y a du rythme. Il y a du punch. Il y a tout ce qu'il faut pour un bon opening. Et là, franchement, bah honnêtement, je vais vous dire vraiment, je préfère cet opening à celui de My Hero Academia. Alors pourtant, celui de My Hero Academia, j'aime beaucoup quand même aussi. Vraiment, qu'est-ce qu'on voit? Bah on voit vraiment, on revoit le contexte des 7 péchés capitaux, les 10 commandements, enfin, on revoit un petit peu ce qui va se passer dans l'arc qui est en train de se dérouler. Donc vraiment, c'est sympa. Franchement, je kiffe beaucoup. J'adore l'opening. Franchement, je m'attendais pas à un opening aussi palpitant pour le premier opening, on va dire, de la saison 3 de Nanatsu no Taizai. Mais franchement, moi, je kiffe. Franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais moi, je kiffe vraiment. J'aime vraiment beaucoup cet opening. Puis voilà. Franchement, je pense qu'elle va arriver dans la petite playlist de chez Mesto. Et je vais l'écouter assez souvent pour me mettre en bonne humeur de le matin et tout. Un petit peu de Nanatsu, ça fait plaisir. C'est pas mon préféré, Nanatsu, bien évidemment. C'est pas mon préféré. Je tiens juste à prévenir que ce n'est pas mon préféré, celui de ce Nanatsu, mais franchement, je l'aime bien. Franchement, il est cool. Je le préfère à celui de My Hero Academia. Ils sont très bons tous les deux, et franchement, bah, celui-là, je le préfère un petit peu plus haut. Voilà, vous avez mon avis. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bref, du coup, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!